Qu'est-ce que vous lisez? Là, c'est le livre hebdo que j'essaye de parcourir une fois par semaine pour des raisons professionnelles, personnelles. Voilà, il y a toujours les livres qui vont paraître. Moi, je suis arrivé à cette charnière 90-92, c'est-à-dire le moment où on passe de l'association à la société commerciale. Voilà. Donc, le moment où on passe, si vous voulez, d'une forme d'artisanat au sens peut-être péjoratif du terme, à une autre forme d'artisanat un peu mieux organisée. Vous diriez que vous êtes devenu éditeur par hasard ou il y avait quelques petits signes qui pouvaient... Il n'y a pas tellement de hasard. Tout mon parcours pourrait vous le prouver, mais bon, c'est pas le sujet. Mais non, il n'y a pas tellement de hasard. J'ai fait de l'histoire, donc c'est pas très loin de la culture livre. Je suis issu d'un milieu protestant aussi, où la culture du livre est importante. Donc, si vous voulez laisser la place au hasard, c'est plutôt vous qui le direz, mais c'est pas moi. Voilà. Mais pour autant, j'avais pas envie d'être éditeur quand j'avais 5 ans. Et 10 ans, quand moins, 15 ans, quand moins. Voilà. Et 20 ans, je savais pas. Donc, c'est plutôt... Et vos premiers emplois dans Gest, ça a été... Enfin, comment vous avez évolué dans la maison d'édition? Mais à cette époque-là, donc c'était en 90, il y avait... une organisation qui n'était pas du tout celle de maintenant, où il y a quelqu'un qui est chargé de l'édition, quelqu'un d'autre de la diffusion, et quelqu'un d'autre de la distribution. En 90, c'est une structure très très petite qui se transforme en société commerciale, et donc je fais un petit peu de tout, c'est-à-dire que je passe de l'éditorial à de la relation client avec les libraires, et aussi avec le fait d'encadrer une équipe qui se charge d'envoyer les livres chez les libraires. Donc je commence par toucher à tout. Au final, quand on touche à tout, on ne connaît pas grand-chose, mais on sait à peu près tout. On sait à peu près comment tout se passe dans chacun des secteurs. 18 ans après, il y a une structure d'édition où il y a 3 personnes, une structure de diffusion où ils sont 6 et ils sont 7 dans une maison de distribution. Et donc moi, mon rôle dans cette maison d'édition, c'est de faire en sorte que ces 3 entités-là travaillent ensemble à peu près bien, parce que le tout n'est pas de faire le bon livre, mais il faut le faire au bon moment et au bon prix. Il faut que les commerciaux soient capables de le vendre et que l'équipe de distribution soit capable de l'acheminer chez les libraires ou chez les gens qui vendent du livre. Je pense que ceux qui font des livres simplement pour le plaisir n'ont rien compris à ce métier. Ceux qui font des livres pour que ces livres restent dans les cartons n'ont rien compris à ce métier. Voilà. Quelle que soit la spécialité que l'on développe, que ce soit de la littérature, des sciences humaines, du beau livre, de la jeunesse, l'idée c'est quand même bien de croiser à un moment ou à un autre un public. Alors je ne dis pas que c'est facile, et tout est mis en œuvre et en place pour que ce soit de moins en moins facile, notamment pour les éditeurs petits et indépendants, mais pour autant... Pour autant, des livres qui restent dans des caisses, c'est d'une stérilité rare. Et moi, c'est pas ma perception de l'affaire. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous amuse dans votre métier? Ah, tout. C'est une gourmandise. Voilà. Tout est plaisant. Tout. De la rencontre avec quelqu'un qui a soit un texte fait, soit un projet de livre. Jusqu'à celui de le faire, des négociations imprimeries, des discussions avec un graphiste, c'est assez marrant, le choix d'une couverture, la présentation de ce livre-là à une équipe commerciale pour qu'elle aille au front, les relations de libraire, monter une librairie, c'est très drôle, je vous invite à le faire. Voilà, tout n'est que une gourmandise avec plusieurs goûts, hein, c'est assez varié. Voilà. Depuis 2 ans maintenant, nous recevons des textes de romans policiers, ce n'était pas le cas. Et tout le monde doit en faire, donc nous en avons reçu, on a lu ça avec un peu d'étonnement. Puis il y a des textes plutôt sympas. On a toute une collection de livres sur des cartes postales anciennes, une ville, un pays. Dans les plus anciens sont ces livres-ci, qui sont des livres dans une collection de témoignages. Donc ça, il y en a tout le temps eu chez Gest, il y en aura tout le temps, avec des textes divers et variés. La collection par l'ange, mais qui se décline non pas sous une notion de forme, mais plutôt sur une notion de thème. C'est-à-dire que tout ce qui est en patois peut rentrer dans cette collection-là. Une collection de cuisine, forcément, ça fait partie du patrimoine. Et enfin, des petites histoires.
les deux dernières en date, La petite histoire de Poitiers par Daniel Clausier et La petite histoire du marais Poitevin. Comment comprendre une région, une ville en très très peu de temps, très peu d'argent. Je vais prendre... Voilà, je prends trois sur lesquels je peux vous raconter des affaires. Il manque le premier que l'on a fait, qui s'appelle Les paysans de Gâtine. Les paysans de Gâtine, c'est Jacques Perret qui l'a écrit. Jacques Perret est à l'origine de cette collection. Alors, nous avions avec Jacques Perret une collaboration ancienne. On avait fait un bouquet ensemble. Puis moi, je l'ai eu comme prof en plus, donc ça facilitait des tas de choses. Et c'est lui qui est venu nous voir en nous faisant une proposition de créer une collection historico-historique, c'est-à-dire des textes écrits par des professionnels de l'histoire, enseignants-chercheurs, enseignants tout court, ou alors des gens qui ont un vrai cursus, mais qui en tout cas sont des professionnels de ce matériau-là. Voilà. Sur une période très très large, mais on est en Poitou-Charentes, hein, donc c'est plutôt sur l'époque médiévale, moderne et contemporaine qu'on trouvera le plus de sujets. Et avec Jacques Perret, on a construit ensemble une espèce de cahier des charges. Un cahier des charges, c'est très simple. On dit, ou plutôt on écrit, ce qu'on veut mettre ou ce qu'on acceptera comme texte et ce qu'on n'acceptera pas, et quelle est notre volonté sur cette collection. Il y avait plusieurs axes, qui étaient notamment de dire que des travaux faits par des historiens, donc pas autre chose que ça. Le cas échéant, des travaux de thèse. Mais si la thèse a été réécrite et adaptée en français. Et puis enfin, forcément, des sujets locaux. Mais des sujets locaux qui ont souvent à voir avec un groupe social, dès lors qu'on peut le faire. Là sont les protestants, là sont les naufrageurs et pilleurs d'épaves, donc c'est une thématique maritime. J'ai pris celui-ci qui est aussi une thématique maritime, mais on a fait un livre sur les curés du Poitou, sur les magistrats. Le but, c'était, à chaque fois que l'on pouvait, de rentrer par un groupe social qui avait pu marquer une région du centre-ouest, parce que c'est pas obligatoirement enserré dans les frontières du Poitou-Charentes. Voilà. Donc on a commencé par faire deux textes et on s'est aperçu de façon un petit peu étonnante qu'on arrivait à vendre finalement sur le long terme, mais en tout cas à vendre des livres d'histoire où il n'y a pas de photos, où il y a une présentation relativement austère, et il y a un vrai public pour ça. Et donc c'est pas forcément un public ni d'historiens ni d'étudiants, c'est aussi un public de curieux. On prend pas tout parce que un des charmes de ce métier, c'est qu'on sait après ce qu'on aurait dû savoir avant. Voilà. Quand on fait les îles de l'Ouest, par exemple, ou celui-ci sur les naufrages, on se doute que ça peut marcher parce qu'on se dit qu'il y a plus de points de vente sur la côte, qu'il y a vraiment une espèce d'empathie pour les milieux maritimes. Mais quand on reçoit un texte autrement, ou quand Jacques Perret est sollicité pour, on sait pas du tout ce que ça peut donner. Et on a... bulle bouillon bien plus de fois qu'à notre tour, surtout sur cette collection là donc toute la difficulté pour nous, c'est de se dire, mais est-ce que c'est un bon sujet? Et un bon sujet, un sujet qui se vend. Je vous rappelle que c'est une collection qui bénéficie de zéro subvention. Je le dis d'autant plus facilement qu'on connaît d'autres éditeurs qui font des éditions un peu plus universitaires, mais qui sont financés. Nous ne sommes pas financés sur cette collection là sont les autres livres qui la financent. Voilà. Mais elle a du mal à trouver un équilibre. Et quand un texte nous arrive, soit par le biais de Jacques Perret, soit directement ici par la Poste, c'est le cas de ce texte-là, ce texte-ci, c'est toujours un peu compliqué de se dire, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Ces livres-là sont les livres qui restent, sont ceux qui font un peu l'âme de la maison d'édition. Alors, il n'y a pas que, il y a d'autres livres. Mais en tout cas, il y a un caractère d'exhaustivité dans le travail mené et dans la démarche éditoriale qui fait que ces livres-là sont plus la marque de la maison d'édition que n'importe quel autre.